So I love going into prisons. Alors j'adore aller en prison. And meeting my brothers and sisters all over the world. Rencontrer mes sœurs et mes frères du monde entier. Because I know for absolute certainty that they are innocent. Parce que je sais avec une certitude absolue qu'ils sont tous innocents. And they love to hear it. Et ils adorent l'entendre. They look into my eyes. Ils me regardent dans les yeux. And they tell me through their eyes, oh, I have a guilty secret. Et ils me disent à travers leurs yeux, ah, j'ai un secret coupable. And they say to me, if I tell you my guilty secret, will you still love me? Et ils me disent, si tu me donnes si je te donne ce secret coupable de culpabilité, est-ce que tu m'aimeras toujours? And I'm communicating with them telepathically, saying, oh yes, just try me. Et télépathiquement, je leur communique, oh oui, vas-y, essaye. Yeah. And then they tell me their secret, and I give them a big hug. And tell them how loved they are. Et puis ils me donnent leur secret, ils me révèlent leur secret, et je leur donne un gros hug pour leur montrer à quel point ils sont aimés. So the gift of forgiveness is for yourself. En fait, le cadeau du pardon est pour vous-même. And when you see yourself as innocent, you will see everyone else as innocent. Et quand vous voyez vous-même innocent, alors vous allez voir tout le monde innocent. This is not the old game of spirituality where the guru is enlightened and the devotees are not. Ça n'est plus du tout l'ancien jeu de la spiritualité où le gourou est illuminé et les disciples ne le sont pas. No. When you are enlightened, you must perceive everyone from that same perspective. Quand vous êtes illuminé, vous devez voir tout le monde depuis cette même perspective. And that is why you don't try to get anything from anyone. C'est la raison pour laquelle vous n'essayez pas d'obtenir quoi que ce soit de quiconque. You see their perfection and you see their innocence. Vous voyez leur perfection et leur innocence. And you stay happy. Very happy. Et vous restez très heureux. You spoke earlier about beliefs, about looking for the underlying beliefs. Do we do that during meditation time period, or do we do that while something is happening? Yes, you can do this at any time, whether it's contemplation, meditation, or while you are watching any scene in the world. Tu peux faire ça en fait n'importe quand, que tu sois en pleine contemplation, en pleine méditation, ou que tu observes une scène quelle qu'elle soit dans le monde. Many times I would be watching a scene and then I would notice a reaction, but instead of staying with the reaction, I would go inside and say to the spirit, show me what I need to release. Plusieurs fois je vois une scène dans le monde et je sens une réaction. Et en fait, à la place de rester avec la réaction, je rentre à l'intérieur. Et je demande à l'esprit de me montrer... You ask spirit to show you what is to be seen, right? Yeah. Et je demande à l'esprit de me montrer qu'est-ce que tu veux que je vois. Yeah. And so you have many, many opportunities. Alors en fait, il y a plein d'opportunités. One time, I was studying A Course in Miracles. Une fois, j'étudiais le cours en miracles. And I went to a bookstore and found a brand new copy of the book. Et un jour j'étais dans une librairie et j'ai trouvé un exemplaire du livre. And this copy was the original edition, the three books, text and manual workbook.
Et cet exemplaire-là, c'était l'édition originale avec les trois parties, le texte, le cahier d'exercice et le manuel pour enseignants. And it was it had a cover that was cloth. It was a cloth cover. Et il avait une et ce livre avait une couverture en tissu. Yeah. Rajouté. And so I looked at it and it looked like it had never been opened before. Just when I opened it the first time, it was like it was a brand new book. Et on avait l'impression que jamais il a été ouvert auparavant ce livre. Quand je l'ai ouvert, c'était comme si c'était un livre tout neuf. I said, oh, pristine, pristine, beautiful. This belongs in a museum. Ah, oh, celui-là, comment on dit pristine? Oh, super, merveilleux, ça. Parfait, c'est ça. Yeah. Ça appartient, ça devrait se trouver dans un musée, ce truc. So I took it back to my house, and I was doing the lesson, so I opened it up, and I read my workbook lesson in the book. Alors, je l'ai ramené à la maison, et puis à la maison, je l'ai ouvert, et puis j'ai commencé à faire le cahier d'exercice. Donc, j'ai ouvert le cahier d'exercice. And I left the book open on my bed. J'ai laissé le livre ouvert sur mon lit. And I went off to do things in my day. Puis, je suis allé faire mes trucs dans la journée. When I came back, my three-legged cat. quand je suis rentré, mon chat, celui qui a trois pattes, had bit the book, avait mordu, déchiré le livre, and tore the page, et avait déchiré les pages, and left teeth marks in the book, et a laissé l'empreinte de ses dents dans le livre. And that was my lesson. Et c'était ma leçon. Don't make this book special. ne rend pas ce bouquin spécial. Yes. My little three-legged cat was bringing me my lesson. Mon chat à trois pattes m'avait apporté cette leçon. Yeah. So if you come to this house where I live and you look in the library. Alors si vous rentrez, si vous venez dans cette maison où j'habite et vous regardez la bibliothèque, the book, vous ouvrez le livre. You will still see the rip and the teeth mark. Vous verrez toujours la déchirure et la marque des crocs. As a reminder, don't make anything in form special. Et le rappel, c'est ne fais rien dans la forme, ne rends rien dans la forme spéciale. And after that, the cat has two butts. Et après ceci, le chat avait deux pattes. Isabel makes a cruel joke. It's like cool joke. Tripod still rules. I'm going to have three legs. Yeah. As long as we stay on the stage. If we flip off and disappear, then pay no attention to the man behind the screen. Don't make anything special. Yeah, don't make anything special. Including chairs. Okay, well.